J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pas pour vous montrer quelque chose, pas pour vous parler d'achat, pas pour vous parler de swap, ni de partenariat, ni quoi que ce soit. Enfin, de swap entre guillemets. Je vous retrouve pour vous parler un peu à cœur ouvert de pas mal de choses qui en ce moment m'échauffent un petit peu, on va dire. Donc, j'ai publié récemment une vidéo swap vide tiroir avec Marilyn, et j'ai reçu sous cette vidéo des commentaires pas très sympathiques. Alors d'habitude je fais complètement fi des commentaires parce que j'en ai rien à foutre, enfin des commentaires, pas des commentaires en général, mais des mauvais commentaires. Mais là je me dis qu'il y a un moment où la connerie, ça, voilà, ça commence à bien faire. C'est pas dans, dans mes habitudes de faire ce style de vidéo coup de gueule, mais là j'avais envie de le faire parce que franchement, on a fait un échange avec Marilyn. Ce que j'ai envoyé à Marilyn ne regarde que moi. Ce que Marilyn m'a envoyé ne regarde que moi. On vous fait ces vidéos swap parce que... Enfin, moi, je vous fais ces vidéos swap parce que je sais que la plupart d'entre vous, ça vous fait plaisir de voir les échanges, de voir ces choses-là. Après, qu'un colis soit plus gros d'un côté ou de l'autre, à partir du moment où ça ne dérange aucune des deux youtubeuses, je ne vois absolument pas où est le problème. Vous dites sous ma vidéo que vous me trouvez un peu méchante, entre guillemets, dans les commentaires que je fais. Alors... J'ai toujours été et je serai toujours sur ma chaîne quelqu'un de franc, que ce soit dans les partenariats que je fais, que ce soit dans les colis que je reçois, que ce soit dans les achats que je fais. Quand ça me plaît, je le dis. Quand ça me plaît pas, je le dis aussi. J'ai toujours été comme ça. Je pense que Marilyn a fait ce swap avec moi en connaissance de cause. Après, voilà, je suis comme ça. C'est tout, je suis franche, ça me plaît, je le dis, ça me plaît pas, je le dis. Si ça ne vous plaît pas, si ma façon d'être ne vous plaît pas, je ne vous retiens pas. Je ne fais pas la course aux abonnés, je ne suis pas quelqu'un qui recherche des milliers et des milliers d'abonnés. Les abonnés que j'ai, la plupart du temps, ce sont des abonnés qui me connaissent, qui savent comment je réagis et qui aiment ma façon d'être et de réagir. Après, si vous arrivez sur ma chaîne et qu'au final, ben, ma chaîne ne vous plaît pas, je ne vous retiens pas. Si c'est pour mettre des commentaires négatifs sous chaque vidéo, c'est absolument pas la peine. Il y a une personne récemment, c'est Blabla, Vava, non, Vava Makeup ou quelque chose comme ça, qui n'est absolument pas Blabla de Vava, hein, d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais coucou ma cocotte. C'était Vava Makeup, je crois, qui, à chaque vidéo, mettait un commentaire négatif. Je ne vois pas l'intérêt. Enfin, moi, personnellement, je suis youtubeuse, certes, mais je suis aussi une abonnée de plusieurs chaînes. Quand la vidéo me plaît pas, croix rouge et je passe à autre chose. Quel est l'intérêt de rester sur la vidéo et de dire oui, machin, et truc, et blabla, et blabla, et blabla. Ça vous plaît pas? Allez voir ailleurs, bordel. Il y a un moment où faut arrêter de se prendre le chou dans la vie. Quand quelque chose vous plaît pas, passez à autre chose. Voilà. Je vais peut-être perdre des abonnés sur cette vidéo. J'en suis consciente, mais en attendant, je tenais à dire ce que j'ai à dire. J'ai toujours dit que j'étais franche et y a un moment où il faut arrêter les conneries et il faut arrêter de prendre, voilà, de prendre les youtubeuses pour des connes et de prendre les youtubeuses pour ce qu'elles ne sont pas. Ce colis a été fait avec le cœur des deux côtés. Ce que j'ai reçu me plaît. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, comme les gloss ou les liners. Je l'ai dit dans la vidéo. Ça, c'est un autre problème. J'ai oublié de le signaler à Marilyn. Ça, c'est un autre problème. Ça ne regarde que moi et Marilyn. Voilà, nos colis, moi j'ai reçu pas mal de choses qui me plaisent, Marilyn a reçu des choses qui lui plaisent et c'est le principal en fin de compte. Qu'il y ait une différence de prix entre les colis comme certaines osent, enfin le disent dans la vidéo, dans les commentaires, ça c'est un autre problème. Moi j'ai voulu faire plaisir à Marilyn, je lui ai envoyé les produits qui ne me servaient plus à moi mais que j'avais envie qu'ils lui fassent plaisir à elle. Voilà, elle m'a envoyé d'autres produits, c'est une autre chose, ça nous plaît à toutes les deux et ça c'est le principal. Tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. En attendant, d'autres swaps vont arriver prochainement. Et j'espère sincèrement que dans vos commentaires, certaines, si ça vous plaît pas, vous passez votre chemin et puis c'est tout. J'ai pas envie de faire la guerre, enfin le gendarme sous mes vidéos parce que y a un commentaire négatif qui se met. Et je sais que pour beaucoup, quand vous aimez beaucoup me suivre, s'il y a un commentaire négatif qui se met sous ma vidéo, en général, ça tourne très mal parce que vous répondez très mal à la personne qui a laissé ce commentaire. Je ne vous juge pas, je ne juge personne. J'ai juste envie de dire que je n'ai pas envie de faire le flic sous mes vidéos. J'ai autre chose à faire dans la vie que de faire le flic sous mes vidéos. J'ai un métier, j'ai une maison à faire tourner, donc voilà. Et franchement, voilà.
juste envie de dire, ma chaîne, c'est mon endroit où je décompresse, où je partage avec vous, où je, voilà, où c'est un moment de bonheur pour moi. Et si c'est pour revenir sur ma chaîne et revenir sous les commentaires vidéo et avoir que des commentaires négatifs, eh ben non, je suis pas d'accord. Et là, je vous le dis haut et fort, je ne suis pas d'accord. Donc voilà, cette petite vidéo va s'arrêter là. En tout cas, moi, je continuerai à faire mes vidéos comme elles le sont depuis le début, en toute franchise et en toute sincérité. Si ça plaît pas à certains, comme j'ai déjà dit, ben, hein, allez voir ailleurs. Il y a peut-être d'autres youtubeuses qui font des vidéos où tout est beau, tout est rose, tout est gentil et qui derrière vont dire « Ah ouais, mais ça, j'aime pas, machin et tout. » Voilà, moi, je le dis en face. Ça plaît pas, c'est pareil. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut, salut !